Alors c'est fait avec du bœuf ou du porc et ça peut inclure le diaphragme, l'œsophage, l'intestin, les reins, le foie, le rectum et l'estomac. Quoi? J'ai bien entendu. Le rectum. Non mais il mange des... De l'anus de peau? Ouais, c'est comme limite du tennis de table, sauf qu'en fait, t'as pas de camp, tu peux aller partout, la table est ronde. C'est de la merde. Vous ne pouvez pas vous réincarner sans autorisation en Chine. Genre, faut demander la permission, déjà, c'est une question de croyance. Et comment ils font? Il y a une police des réincarnations. Hop, 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 du calme, chacun votre tour. En quoi tu veux être animé? En superstar? Pas possible. Si tu veux, on a pêcheur sur un chalutier, ver de terre, ou Nuggets. C'est bon ça Nuggets? Ouais. Le mec il a pris un caillou avec une prise USB pour tenir compagnie. J'ai le stylo de compagnie aussi si ça vous tient. J'ai le mouchoir de compagnie aussi si ça vous dit. Franchement si tu suis la logique tu pars dans tous ces délires. Hein. Et c'est d'une barre que c'est terminé? Tu vois la radule? Mais j'ai fait quoi maintenant? T'as chaud, saute plus haut Samir. Bon, désolé. Des fois j'ai kiffé des petits délires comme ça. Ça doit être hyper dur d'y habiter dans la vie de tous les jours. Je sais pas, imagine sur ça du monde. Attention les amis, j'arrive avec l'apéro. Saloperie grand. La maison toboggan. Là c'est un petit peu pareil que le skipark, tu dois t'amuser, tu dois kiffer de ouf. Moi personnellement, ce que j'ai kiffé, c'est le kabaddi. Parce que le mec qui doit courir kabaddi en étant en apnée. T'imagines, tu te balades dans un parc, tu vois un mec faire ça. Le mec il court dans le parc, il fait kabaddi. Ensuite il retient sa respiration. Donc il est... Et il court comme ça pour toucher tout le monde. Parce que c'est le but du jeu. Et après, il doit revenir dans son camp, encore en apnée. Donc le mec, il est... Il a réussi à mettre 3500 cure-dents dans sa barbe. Moi, celui-là qui m'a fait le plus rire, c'est le léopard qui tient un sandwich. Et qui est comme ça. T'as intérêt d'avoir une femme de ménage, parce que je te parle même pas du nombre de carreaux à laver. Et puis bonjour à intimité, hein, parce qu'on voit tout à travers. Hein. Comment ils font dans la vie de tous les jours? Tu m'en diras quoi? Eh en fait, elles sont tes toilettes. Comment tu les vois quoi? Elles sont juste là. C'est non fondé, attention, en gros, il n'y a aucune preuve. Mais ils disent que la tortue à carapace molle augmente l'énergie, la force et la virilité. Du coup, comme des teubés en... Demain, on va dire sauter d'un pont, ça te rend immortel. Tout le monde va sauter d'un pont. C'est vraiment plus, je te jure. Les gens, ils sont crédules. Alors, vous voulez les règles? C'est parti. Honnête ball. Pas question de dribbler. Lorsqu'un joueur est en possession du ballon, il ne peut le garder plus de 3 secondes. C'est une blague. Moi qui adore dribbler. Au football, je parle. Ils disaient qu'ils en avaient marre de voir des randonneurs venir d'Allemagne, cul nu, juste avec des chaussures et un sourire. Tu sais, c'est comme ceux qui marchent sur des cendres. Hein. Pourquoi ils font ça? J'imagine bien ce que ça donnera avec moi. Bon, allez, Samir, tu peux le faire. Tu peux réussir. Je crois en toi. Tu t'es entraîné toute ta vie pour ça. On est chaud. On est chaud. On est chaud, on est chaud. On est chaud. Et je te jure, je me tape une barre. Ainsi, il n'est pas Photoshop. Chauffe la tête qui fait. Bon, ça doit être hyper dur d'y habiter dans la vie de tous les jours. Je sais pas, imagine sur ça du monde. Attention les amis, j'arrive avec l'apéro. Saloperie grande. Ah là 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 là. Et sinon, Caradoc, qu'est-ce que t'en penses de tout ça encore? C'est de la merde.